Bonsoir, bonsoir. Ouais, j'étais pas supposé. J'avais dit que je le ferais plus, mais j'ai vraiment envie de réessayer de streamer au moins ce jeu-là. Disons qu'il est. Qu'il est. Comment dire? J'ai vraiment envie de le faire. C'est la seule autre solution qui semble être apportée, sinon, c'est de laisser de les enregistrer, puis ensuite de les poster sous forme de vidéo. Sans y toucher comme si c'était une rediffusion de live. Mais ça m'ennuie à mort de faire ça. Genre, vraiment, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Moi, je veux jouer en direct. Bah voilà, je sais pas quoi dire de plus. J'essaye. Je sais pas s'il y a quelque chose de différent des autres jours aujourd'hui. Quoi par rapport à avant ou maintenant. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre s'il y a quelque chose de changé par rapport aux autres fois. Moi, j'ai refait mon setup perso de mon côté de la même manière. J'aurais pu essayer de streamer pendant la fin de semaine. Il y a beaucoup de moments où j'étais le seul pendant une longue période de temps, ce qui fait que j'aurais pu me permettre d'essayer. Je n'y ai pas vraiment pensé, j'avais vraiment envie de jouer à Genshin de toute façon sur la fin de semaine, j'en ai beaucoup profité. Je voulais donner une dernière chance, disons. Là actuellement ça marche plutôt bien, j'ai aucun problème. La dernière fois c'était vraiment catastrophique. Je crois que ce que je vais peut-être essayer de faire à l'avenir, c'est que je vais mettre les jeux dans mon horaire, mais si ça marche pas, que ça bug sans cesse. J'essaierai de fixe en redémarrant l'ordinateur, en redémarrant le live quelquefois, ce genre de choses. Et si ça marche vraiment pas du tout, j'arrête le live, je fais autre chose, je fais un autre live sur la PlayStation, quelque chose comme ça, de sorte à changer les idées, penser à autre chose, et je reviens à faire un autre live à un autre moment dans la semaine en espérant que bah, ça se soit calmé. Peut-être que c'est la consommation de réseau. Pas juste par moi ou par les autres personnes dans l'appart où je vis, mais aussi par la plupart des clients aux alentours. Parce que c'est débile de le penser comme ça, j'en sais rien, je suis pas un informaticien ni technicien, je connais rien là-dedans. Mais je me dis peut-être que plus on est nombreux de clients à en demander, probablement, même si chaque demande est différente et que donc le fournisseur fournit en fonction du forfait de chacun. Peut-être que plus qu'on est nombreux connectés en même temps dessus, plus que ça en tire en même temps et que du coup bah, ça fait tout capoter. Bref, on va y aller. Et on va essayer. On va essayer. Pour l'instant, je dis, ça lag pas. Donc, moi une seconde. Ok. Donc, je vais me prendre plus de aussi en vrai, commencer réellement. Je suis désolé, je cut ça de manière. Violente. Donc disons que d'ici 22h, là il était 50, donc 10 minutes. Si ça capote trop, j'annule tout. Sinon bah j'y vais, je continue. Alors attends. Qu'est-ce que je fais là maintenant? L'un de trouver toutes les mes armoiries familiales. Je
suis de l'autre côté, je suis du nouveau côté que j'avais débloqué, je crois. Je connais pas cet espace. Oh, il vient vers moi? Si, comme lui. Oh, plaisir. Allez les gars, tu rentres là. Du coup, moi j'avance. T'es sûr? Je connais pas cette zone? Que c'est pas le jeu qui a genre mal sauvegardé? Mais si, déjà venu ici. Il a pas enregistré le fait que j'aille choper la carte et tout? Ouais, mais c'est ça, je suis déjà venu. Qui c'est que c'est bizarre tout ça? Je comprends pas. Plaisir. Peut-être que je peux rejouer à Nier Automata aussi. Mais concentré à finir ce jeu pour le mois d'octobre en vérité. J'enlèverai au pire un live. Ah non, c'est ça, il a pas enregistré ce que j'ai fait. Hein. Parce que ça, je l'avais trouvé, la manivelle, j'en avais une. C'est bizarre. Après, il y a le bateau qui sonne. Là, il y a des pics dans le lit. Et ici, il y a la carte. Voilà. Putain, ça m'a refait peur, merde. Alors, attends. Vers en bas. Bizarre, j'étais sûr d'avoir sauvegardé, moi. Ah, c'est le bateau. Ah non, ok, c'est plus loin dans la salle principale, il y a quelque chose d'autre. Là, il y a le bateau. Ah, l'autre salle. C'est le bidule qui tourne. Je peux rien faire ici. Je peux juste aller en haut. Du coup, de l'autre couloir. J'ai pas exploré, il m'a pas donné de la carte de cet emplacement. J'ai dû genre rage quit si on veut la dernière fois et j'ai pas sauvegardé, du coup bah je dois refaire. Donc là il y a cette porte. Je peux pas ouvrir. Toi tu fais quoi là? Il m'emmerde surtout.
voilà. Il est là. Faut que je retourne avec ça de l'autre côté. Aller d'autre sens. C'est un cul-de-sac qui a véritablement rien. D'accord. Ok. Bon, ça a l'air de bien se passer, donc je pense que je vais rester sur ce jeu-là pour la soirée. C'est badé l'enfoiré. Il va péter la fenêtre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais m'en aller, hein. Au revoir. Il fait un vacarme. Je suis étonné que personne ne le remarque. Ok. Il va venir sur mon côté, forcément. Ah, j'aurais dû partir de l'autre sens. Alors. Comment ça? Morceau d'armoirie. Aïe! Petit bâtard! Ah ouais. Ah ok, j'ai le rouge, mais je crois que j'en avais obtenu un autre, non? Plus. T'es allé de l'autre côté, j'avais une clé. Mais mec, casse-toi! S'il te plaît.
Voilà, ces portes-là, je crois qu'elles sont pas... elles sont verrouillées, non? Ah non. Normalement, j'ai déjà vérifié, je crois. Ouais. C'est ça, j'avais trouvé cette clé en fait. Ah, je suis pas allé dans la pièce du pont là-bas. Ici, j'ai pas vraiment fouillé, il y a peut-être des papiers à récupérer. Je suis parti par là, non? Ah, c'est ça, il y a un autre truc là plus loin. Là. Oh, vous saoulez! Là, j'ai pris beaucoup de coups quand même. Allez. Tranquille, on a sauvegardé. Il me reste une seule munition. Ah non, deux. Deux, j'imagine. Ça, j'en ai qu'un seul. Bon. On a la clé pour aller de l'autre côté et trouver du coup un autre morceau de truc. Je crois que je l'avais déjà trouvé la dernière fois. Mais non, je suis de l'autre côté, laissez-moi tranquille, c'est pas juste. Et en plus, je suis encore blessé en fait. Tonifié, on ne soigne qu'un seul coup. Putain, mais ils sont tous là-bas. Hein? Je croyais en avoir vu un autre. Il est tout seul en fait. Ok. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Bah putain. Que je mets là-dedans. Je vais mourir.
mourir. Le son était dégueu. Ok. Non, je suis direct dans le trou. Non, je suis ici. Mais j'ai la clé. Bon, attends. Ouais, c'est du coup la dernière sauvegarde que j'ai faite là. Les mobs sont retournés à leur place, j'ai l'impression. Bah, tant mieux. Bon, on va éviter d'y aller tout de suite, on va devoir faire le tour d'abord. Ça va rien. Toi t'arrives de là, moi je vais aller de l'autre côté. On m'a lancé un truc, ça a foiré. J'étais en train de me retenir le souffle de toute façon. La salle de sauvegarde est juste là. Il y a donc un truc à écouter dans l'intérieur. Pas fan. Mais chaque pièce ici sera what the fuck. Ah, ok, je suis pas empoisonné, je suis pas mort, je suis drogué. L'obscurité me fait mal en fait. Pour un collectible et un bout de papier. Oh, c'est une mélodie en plus. Bon, ah bah plus jamais du coup. What? Je suis passé de là à là. What the fuck? C'est pas cool.
Ouais, toute la plateforme a l'air de se déplacer en fait. D'avoir un mécanisme entre les deux étages qui permet de déplacer tout le setup. Pas fan. Je resterai pas collé là longtemps. Là, il y a la grande pièce. C'est une grande pièce avec beaucoup de directions possibles et inimaginables. Là, il y a un levier. Là, il y a une munition. Cool. Ah, je peux faire le tour, attends. Il va aller où lui? Il viendra pas vers moi normalement. Vu que je suis dans un cul-de-sac, lui il connaît le pattern, il peut pas venir ici. Enfin, il peut. Non, il peut pas te couiller, il peut venir jusque là s'il veut. Voilà. Et là il va s'en aller dans la direction où je veux passer. Qui m'a vu? Qui m'a entendu? Là, il va revenir. En espérant qu'il passe pas ici, qu'il s'en aille direct en ligne droite. Comme il l'a fait tout à l'heure. Non. Merci. Là, il y a un levier. Il n'y a rien d'autre. Oui, alors... Ah, il y en avait un là-bas de levier, je l'ai même pas vu. Il doit en avoir en bas aussi. De vrai. Tire! Oh là là! Attends, j'ai pas le droit, j'ai vraiment pas le droit. J'avais même pas le droit d'y toucher à ce qui paraît arriver. Prends-le! J'active une des lumières d'abord avant de pouvoir mettre la prochaine. Chance que je peux le repasser à moitié à travers, il me bloquait bien le chemin. J'en ai pas d'autre, hein. C'est fini. Ils ne savent pas où je suis. Ils ne savent plus où je suis.
Ok, tant mieux. Vraiment. Je peux me planquer là. Bon, nique. Connard. Allez. Aïe! Putain, foiré. J'ai pas été assez discret. Je sais pas ce qui rouvre ça. Je m'en la paix. Ok. Je me cache ici. On va écouter ça. Child, her willful insolence shall be the downfall of us all. Here we stand at the edge of ruin, and yet we have the answer. Caged and bound in irons in the caves below the point, at the mercy of when I choose to provide its sustenance. And for what? For Elizabeth to refuse to sing its song? Asking her to bring back my father's slavish cult? No! Just to help me reopen the hotel and restore its grandeur. Our family's grandeur. All she must do is... Donc, il faut que je retourne un peu sur mes pas. Il y a trois portes. Il y en a deux qui doivent mener au même endroit et il y en a une troisième. On va voir, je vais vérifier si elles sont ouvertes avant d'aller dans la porte piégée. Je peux aussi déposer mon morceau que j'ai actuellement dans ma poche. D'abord. Ok. Les deux sont là, on va les laisser partir tranquille. Comment ça? Fiche-moi la paix. Je bouge pas. Dégage. Voilà. Bon, le temps qu'ils retournent à leur pièce. Wesh. Lâchez-moi. Oh là là. Mais ça va, oui. Oh, mais c'est pas vrai. Laissez-moi. Quelle couleur j'ai? Bleu? Il est tout pété, le bleu, là. Non? Bleu, il y en a juste pas. Hein. Il doit aller là, genre. Non? Oh, le bâtard. Putain, mais laissez-moi tranquille. Y a pas de zone... Tranquille. Casse-toi. J'ai plus de soin non plus, hein. Plus rien. Ça y est, c'est la merde. Je fais pas assez attention, probablement, j'imagine. Non, ça c'est clair. Là, il est bleu. Donc, avec le morceau que je sais où récupérer, il va là, je pense. Il va m'en manquer encore un. Ouais. C'est pas mal ça que j'ai l'impression que c'est. Une clé, volant avec un aigle ou un oiseau quelconque. Il y a la boîte à musique. Oh
Donc, il y a une porte verrouillée, il y a un placard qui sert qu'à me cacher. Ensuite, j'ai pas vraiment exploré plus que ça la partie en bas de l'endroit où on a trouvé le fragment bleu. Mais je suis pas sûr que ce soit important, puisque j'ai le fragment là-dessus. Ah, il y a une pièce derrière, il n'y avait pas pensé. Et il y a la pièce là où je m'en vais, qui va s'effondrer. Je vais juste sauvegarder avant d'y aller, comme ça j'aurai tout de fait. Et j'aurai pas besoin de tout recommencer à chaque fois. Et un fil là. Ok, j'avais pas le choix de l'activer. Tiens! C'est beau sa mère. J'ai. Ah, je crois que j'ai éteint ça tout simplement. Pas grand chose à récupérer là. Ah! Bah, au moins, c'est que de la douleur. J'allais dire non réelle, mais c'est. Ça m'a pas fait mal pour de vrai. C'est juste. Cinématiquement parlant. Bon. Maintenant, on revient sur nos pas. On sauvegarde et on va dans la porte piégée. Enfin, dans le. Là où il y a le morceau piégé. Qui m'avait emmené dans un remake de Star Wars. Dans cette placard. Il y a de la musique pas loin, je sais pas pourquoi. Sûrement derrière ça. J'aurai peut-être la clé après. Après avoir collecté. Après m'être sorti du bourbier qui est en bas. Ok, on va sauvegarder ici. Voilà. Okay. On récupère ça à nouveau. Donc avant d'y toucher, on va faire un petit tour. Il n'y a probablement pas grand chose. Oh, il n'y a même rien du tout. Ça se voit au sol que ça peut s'effondrer? Pas le moins du monde. C'est bien le verre hein, que j'ai trouvé. Pas du tout. Vas-y. C'est beaucoup plus facile quand on sait. Waouh. Bon. Bon, on y retourne pas. Et ça, c'est la porte de l'autre côté, du coup. Qui est juste en face de celle qui est piégée. Tout juste. Bon. Où puis-je aller maintenant? Oh, vous faites chier. Non, pas celui-là. Il m'en manque effectivement genre un. Et à l'exception du bateau, qui m'avait l'air de faire que du bruit, je sais pas quoi faire.
il sert à quoi là? Ah, y a un truc dedans. Oh merde. J'attends un peu quand même, histoire de pas jouer avec le feu pour rien. Genre. La dernière. Merde, mais c'est pas genre. Bon. Est-ce qu'il est con? J'ai que 4. Où le fait d'arrêter entre eux ne considère pas de reset, voilà. J'avais le bon. Pourquoi tu viens ici aussi? C'est pas tranquille à la fin. Bon, c'est le dernier, non? Je vais sauvegarder. Je croyais que le bateau servait à les attirer, genre à les attirer ailleurs. Pas du tout. Vas-y. Oh, ils m'ont tous détecté. Je sais pas où j'ai appuyé, je sais pas où je vais. Ah, je suis redescendu là pour le coup. On va les ouvrir. Ah, ça peut-être attirer tout le monde. Bon, ça m'a fait des raccourcis. Hop. Donc c'est sûrement pas ça que je devais faire. À mon avis, là j'étais là, et je vais aller au 2. Je vais m'octroyer une légère pause. Je reviens tout de suite.
Ok, au revoir. Alors. Alors. Le téléphone. Il y a beaucoup de sang dans cette direction. Et ça se passe sous l'eau. On va commencer par le téléphone. Parlons à Elisabeth. Thomas? Thomas? My uncle Abraham might be on the second floor now. Oh. No. But I heard somebody crashing around a few moments ago from somewhere below me. D'accord. There is a way up to the attic, through my father's rooms in the west wing. La salle de son père. You should be able to reach me that way. Okay. My uncle was not a man to be trifled with before. And now, I am not sure he's a man at all. He's a brute, Thomas. I pray you be careful. Bon. Please take care, Thomas. J'ai plus d'armes ni de points. Hein. Ah si. Faut recharger. Mais let's go. Ok. Lettre. De prudence à Elisabeth. J'avais lire. J'avais presque lu lettre perdue. Je t'aimerai toujours, prudence. Ah, lettre. Ok. Prudence, c'est quelqu'un. Non, mais c'est pas toujours évident, ça, à savoir. Je pensais que c'était la salle de sauvegarde, mais c'est juste des rideaux. Oh non, pas lui. Ah bah putain. Oh non, 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 non. Je voulais pas tomber sur lui. C'est ça ton oncle. Quelle famille de malades. Moi je voulais juste prendre la clé. Je voulais juste sauvegarder. Où il est le sauvegarde dans ce jeu? S'il vous plaît. La salle avec la porte verte, avec le fabuleux phonographe. C'est peut-être un boss en vérité. Hein, je peux pas ouvrir la porte. Là, il y a la map. J'allais dire, il n'y a rien, mais j'ai trouvé qu'il y a... Il y a... Comment ça s'appelle? Un cylindre. Il y a un des cylindres. Oh, pas ouvert. Ah, elle est verrouillée cette porte-là. Ok, c'est ça, c'est le petit grillage qui est affiché là. Je me suis un peu cogné la main contre mon clavier quand il est passé à travers le mur. Pas envie, c'est moi, je vous jure. Gentil, merci le jeu. Bon, c'est trop grand ça, je veux pas aller là. Pas tout de suite. Bon, là-bas c'est tout petit, on va aller dans la petite salle d'abord. En plus il y a la boîte à musique, donc c'est peut-être juste une petite figurine à ramasser. Tu vois? Ça c'est tout gentil, c'est facile. Oh! Oui! Non!
Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était celle que j'avais déjà vue. Putain de merde. J'ai qu'une seule munition pour me défendre contre lui. Là, il y en a une autre. Ça m'en fait deux. La salle de sauvegarde. Oui, let's go. Oh. Oh. Fancy. Les jolies robes. Time has run out. Qui es-tu? To use his grand harmonium, the machine he has devised tonight. To use the recorded song of that lamentable creature on the household and staff. A dress rehearsal for his grand reopening. One final test before... Oh, I'm not ready. I've tried to compose it myself. Tried until my fingers bled on the keys and my voice cracked. But at last, two composers of the countersong have arrived at the hotel. I must speak with them before the dress rehearsal. I can only pray that this will be enough. I could leave still, slip away. I've thought about it again and again in recent days, but that would only be condemning the others to my father's experiments. No. I must face our family's sins. And if I must, I shall pay the price. Oh, I wish it were not so. I wish I did not have to face this alone, as I fear my strength and resolve might fail. Thomas, where are you? I need you now more than ever, my love. Alors, j'ai un souci parce que je comprends pas de quand date les trucs là. Ok. Des moustiques. Et vu le son, il m'a l'air gigantesque. Je sais pas, je pisse. Papier. Je prends plus le temps de les lire. Je les lisais déjà pas. Je vous les montre même plus maintenant. J'avoue que je panique. Je suis en un état de stress constant. Tu m'as donné une munition. C'est super gentil en vrai. Vraiment, c'est très 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 sympa. Mais est-ce que le jeu pourrait être cool et me donner de quoi me soigner aussi? Bon, j'ai débloqué un des raccourcis. C'est déjà ça. Je vais aller par le passage régulier, on va dire, de la... de l'endroit où je suis pas allé, là, ici. Ah, meurtrier, super. Pour aller vers la porte verrouillée. Je sais pas comment je sais qu'elle est verrouillée, mais elle est verrouillée. Et je veux aller voir si je peux pas ouvrir la vente là aussi. Après j'irai chercher le cylindre. J'imagine que le... Alors j'ai rien dit, j'ai pas eu à finir ma phrase. Je l'ai pas séduit là, putain. Je l'ai pas touché. Ok, pardon. Pardon, pardon, j'allais dire, oh, j'imagine que si je vais pas chercher le cylindre, il vient pas me chercher tout de suite. LOL. Oui, parce que le cylindre, c'est l'objectif du jeu, pourquoi est-ce qu'il apparaîtrait avant? C'est lui qui a la clé, putain. J'en ai besoin pour la porte que je viens de voir, et j'en ai besoin pour l'autre truc. Alors, je recharge parce que j'ai gaspillé une de mes munitions, j'en ai que deux. Et j'ai entendu marcher. Donc ici il y a juste un papier. Là. Et dans cette pièce là il y avait quoi? Rien non? Voilà rien. Ok.
Alors. Là, il pète le mur. Pas les autres côtés. Là, je peux pas y aller. Là, c'est ce que j'ai ouvert tout à l'heure. Et ça, c'est un kit-sac. Alors, attends. Tu veux que je fasse? Ça s'ouvre pas. Why? Il est pas affecté. Ok. Pardon, je crois que j'ai crié. Attends. Ok, la contre chanson. J'espère qu'il va juste trouver comment je fais en fait pour me débarrasser de lui. Ah ok. Oh putain, il m'a fait flipper. Ça sert à rien que je garde ça du coup vu qu'il ne prend pas les coups. Donc. Vite. On l'oblige à faire le tour. Ouais, il peut pas arriver derrière. À moins qu'il dégage tout. Et le fait qu'il soit loin maintenant va me donner le temps de. Il est passé par ailleurs, je suis où là? Tu vois, j'essaie de ce truc, je sais pas ce que ça fait. Je fasse les deux. Ça ouvre les portes. Par là. Je me barre dans une direction. Au pif. Là, il y a une salle de sauvegarde. Et ferme. Ok. Par contre, j'ai toujours pas la clé. J'imagine, il faut juste que je fuis. Il doit pas avoir de solution pour l'instant. Est si proche. Il est si proche. Et comment je fais pour partir maintenant d'ailleurs? Parce qu'il est de l'autre côté, il s'en va pas lui. Hein. Je peux aller en face et il y a la porte. En face, je peux pas l'ouvrir. J'ai aucune clé qui ressemble à ce qu'il y a là-dessus. Donc il faut que j'aille par là. Là où il semble être. Voilà.
sais pas du tout où il est. Il est au-dessus de moi. Oh, punaise! Pourquoi t'as brillé? Pas celle-là, j'ai pas vu l'ouverte. Il y a des gros haut-parleurs ici. J'ai comme l'impression que je peux faire quelque chose. Aïe, qu'est-ce que ça? Attends, ça m'a fait chier à mal à moi. Parce que je me tenais là-bas. Alors là, je me doute bien que s'il me met une tatane, je suis foutu, hein. C'est utile, ça conclut. Alors attends. Là-bas. Je vais vraiment pas bien par contre. Somebody is trying the door on us. I must go. Elisabeth, moi j'ai besoin d'une solution. Elisabeth, il va se relever. Là il y a un tonique. J'ai pas trop le choix. Ok, parfaite santé. Let's go. Alors, tu peux aller faire quelque chose? Ouais, faut que j'aille voir le gars. Super. Allons-y. Je sais que ça va foutre, non? Tu peux me donner la clé qui pend à ton cou, visiblement. Il se relève pas. Pas tout de suite. Tu veux ouvrir la porte et il va venir faire coucou. Non? Bah écoute, avant qu'il se relève et qu'il revienne faire coucou. Un petit coup, juste, histoire de... de relaxer. Quoi, il y a des petits bâtards maintenant. Il s'est levé. Il court. Trace. Alors attends. Il y a d'autres chemins, je le sais. Effectivement, il sait pas je suis où. Moi je trace. On s'en fout des petits. Salut Coco. On ouvre ça. On prend les papiers. Il y a de la musique, c'est magnifique. Non, je me rappelle. Elle est là derrière. Cylindre, hop là. Ah, cinématique. C'est scripté, la porte s'est fermée direct derrière moi. Ah, mais oui, je monte en haut. J'ai
J'ai envie de croire que je suis safe, hein. Légèrement. Ah. Deux. Et là, il y a quatre. Bon. Ouais. Alors, comment je fais savoir les autres? Quelles sont les indications? Ah. Trois. Trois, c'est l'aigle. Je l'entends partout, il me stresse. Dégage, arrête. Ça, c'est cinq. C'est le dernier. Il manque un drapeau. Il manque un. Ah bah en vrai, je peux te deviner. 2, c'est le chien. C'est le poisson, le premier. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il y en a que 5. Mais vous voulez pas arrêter. Ah, il est là. Donc, ouais, c'est le poisson, le premier. Donc, on va y aller comme ça. Poisson. Bien. Cage à oiseau. Non. Le 3, c'était quoi déjà? Et là, le 3. 3, c'est l'oiseau. Oiseau. La cage. Et le cerf. Ne me regarde pas, monstre. Oh mon dieu. Wow. Il y a quelqu'un là. Arrête. C'est le téléphone, j'imagine. Elisabeth. Mais il vient pas de... Ouais. Elle est pas là. Bah, j'espère en tout cas que c'est pas sa tête, hein. On dirait. Alors, c'était pas une pelle, je croyais que c'était une pelle et que c'était un de ceux de dehors qui était remonté en haut, mais non, c'est. Ça a l'air d'être ce qui pourrait s'apparenter au père, justement, d'Elisabeth. Oh merde, non! Putain, c'est pas vrai. Et on est dans un état plutôt remarquable pour quelqu'un qui vient de faire une chute giga violente. Alors, attends, on est où là? Premier, au sous-sol? Ah, le retour au sous-sol. Bon, j'en ai trois, non? Donc j'en ai... Il m'en manque un. Oh. Entrée numéro 3. On avait quitté la sécurité du grenier. Le gouverneur de mon père s'est mis à commettre des choses atroces, comme brûler les visages d'hommes sans la moindre raison. Ah putain. Mon pauvre Elisabeth. It is done.
I have managed to make phonograph copies of three of my father's four symbols. Three parts of the Siren's song. The fourth, I've come to realize, is the very same tune as the musical locket that you always wore, Mother. The very one which I was so fascinated with as a child. Even as an infant, were you grooming me to take your place as my father now commands? Whatever the truth of your misdeeds, Mother, I want you to know that I've arranged for these fragments of the Siren's song to be dispatched to four composers. Your locket to go to my dearest Thomas. With his help and theirs, we shall come up with a means to counter the power of the song my father so desperately seeks to control. Okay. Par contre, je suis dans une partie de sous-sol que j'ai jamais visitée pour l'instant. Je vais sûrement sortir par une des pièces que je connais. J'aurais presque préféré qu'elle s'ouvre pas. Là, y'a rien. Là, y'a un collectible. J'y suis allé avec aucun stress dans ça. Bah, je t'aime déjà. Pas très beau en vérité une sirène. Hein. Urk. Bah, il est là. Alors, bonjour mesdames les mannequins ou messieurs, y a pas de problème. Je peux juste m'en aller. Ça vous pose pas de problème, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qui reste dans cette petite pièce là-bas? Par là, je vais aller. Ouais, moi aussi je vais aller. Tiens. Oh, oh putain, merci. J'avais oublié qu'il y avait une porte telle que ça ici. Yeah. Oh oui. Donc je retourne aussi au premier étage, deuxième étage, où est-ce qu'il y avait la porte. Alors attends. Blague, c'est refou. La porte elle était verrouillée jusqu'à maintenant et là tu peux, elle est ouverte, tu le sais. Comment ça tu le sais? Outre un peu. Oh, on était à l'autre côté de ça, je crois, tout à l'heure. Je pense, hein. Pas sûr. Putain.
j'aille prendre l'ascenseur, je crois. Alors. Il n'y aura pas un truc à faire avec ça. Si je peux jouer, c'est qu'il y a un truc à faire. J'en sais rien et je vois pas de solution. On va ignorer. Dans le pire des, dans le meilleur des, dans le pire des cas, c'est juste un. Dans le pire des cas, c'est juste un collectif. Bon, on va la faire. Mais quel plaisir! On prend pas l'ascenseur. Part de l'autre côté, que je fasse le grand tour. Bah, ce serait pas plus simple de genre éteindre le feu en. Je sais pas. En tapant dessus frénétiquement avec un des mannequins par exemple. Bon. Ça pourrait marcher, moi. Je suis revenu au début. Pour rien. On va aller à la fin. Du coup. Quel chemin sinueux ai-je à faire? Alors. C'était évident. Pourquoi tu l'as ouvert alors, connard? Inutile. Oh putain, c'était inutile, je passe là aussi en fait. Chier, ça sort de nulle part à chaque fois. Il y a personne autour et il y a des trucs comme ça qui spawnent. Le retour des suspendus. Allez, putain. Non, mais.
Faut que j'aille vers la trappe d'aération. C'est le seul point d'accès de toute façon, donc elle doit déjà être ouverte. Fantastique, non? Moi, je veux aller là où il y avait la porte. Putain, j'ai une clé à ouvrir. Une porte à ouvrir avec la clé que tu trouvais, là, l'aigle. Il y en a peut-être deux à ouvrir. On a les deux. Oh oui, let's go! On sait, je sais très bien où on est. Étonnamment. Oh, il a enlevé son masque. Oh, quelle horreur. Ils sont en train de le battre, putain. J'aimerais tellement l'aider. Le pauvre chien. Tu fais peur, je me casse, c'est bon. Il manque une partition. De me la jouer Oh putain, mais faut que je me retienne. Oh oui, oh la joie de ce que je viens de traverser là. Encore plus de cadavres glissants.
que c'est de... Mais c'est dégueulasse. C'est vraiment horrible. Ça va sentir le mort à plein nez là-dedans. Genre... Mais en vrai, j'avance bien quand même. Écoute. Putain, mais c'est vrai en plus, du coup. J'avais l'impression que j'étais parano, mais non, le jeu vient de me le dire. Surveillez votre environnement quand vous cognez contre des objets, ça fait du bruit. C'est pour ça qu'il y a des fois, les mobs ils triggerent alors que j'ai l'impression de rien faire, parce que je cogne contre les murs. L'eau au sol. Pour l'activer. On active aucun. Je suis où? Au rez-de-chaussée, dans une salle qui était bloquée. Il y a un point d'interrogation à l'ascenseur, mais je peux retourner justement à l'ascenseur. Ok. On va fouiner ici d'abord. Qu'est-ce que c'est? Il manque un truc, j'imagine. Papier? Papier! Pas sauter hein. Non, j'ai jamais pu sauter. Ok, là, ça s'ouvre aussi et ça c'est une sauvegarde. Pardon, savoir écouter. I fear that it is impossible, that it cannot be done, at least not in time. I sit here, sit at these keys day after day, night after night, trying to compose some form of counterpoint, some form of countersong to the honeyed lament of that creature. And for what? Am I foolish to hope that this might work? That I can stop my father? One misstep, one false note on my part would be catastrophic. What such a mistake might unlock could be far worse than the siren's enchantments. But what choice do I have? I cannot turn my back on others, or allow him to succeed. Without some form of counter, all of us, and many more, will be lost. 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 Okay. Will be lost. Ok, donc comme vous l'avez vu sur l'image, eh ben le stream, je l'ai mis pendant qu'elle parlait. The creature of providence. La créature du provident. De la providence, pardon. Ok, bref. Il y a des petits tableaux avec lesquels je peux interagir dans la salle, mais ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc, je sauvegarde une nouvelle fois. Et, merde. J'ai une chance que je sauvegarde avant parce que j'ai utilisé un truc de soin inutilement. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait près d'1h30 de jeu, je crois, pas loin. Moi, ça me suffit. Je suis content, vraiment, vraiment content que ça ait bien marché aujourd'hui cette fois-ci. Ça m'a vraiment saoulé que ça marchait pas les autres lives. Donc, je vais faire ça à l'avenir. Si jamais ça marche pas, je m'arrête un petit peu, puis je reviens une autre fois. Merci à tous ceux qui sont passés et qui ont regardé la rediff. Ciao.